Mais je suis venu personnellement pour m'acquitter d'une dette vieille de plus de 40 ans à ce vieux professeur de chimie qui m'a appris à comprendre le haut fourneau. À ce vieux professeur de biologie qui m'a appris à comprendre le phénomène du tropisme. Voilà pourquoi c'est moi qui souffre. Quand on m'a remis le dossier, je me suis dit, pourquoi Jean-Claude Mondésir est allé se battre dans cette carrière? Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez un passé lourd d'expérience et d'honnêteté derrière vous. Je le revois encore en troisième qui m'a touché en tant que professeur avec moi, élève. Pour moi, c'est l'honnêteté, la dignité. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans cette galère? Mais la nuit apporte conseil. Je me suis dit au fond de la nuit, il a raison. Il a raison pourquoi? C'est parce que le cap va à la dérive. Voilà. Il faut un homme pour faire revivre les années de 70. Il est blessé dans son orgueil de capois. Il veut nous faire revoir un Dodo Vincent ou celui d'Arrois. Un Cléomé Jean-Pierre. À cette époque, on pouvait manger en pleine rue. C'est ça que ce homme est allé chercher dans la mairie. De quoi a-t-il besoin? De quoi mon père a-t-il besoin? Sinon que de servir son pays. Voilà uniquement pourquoi je crois comprendre moi. Je crois comprendre que c'est cette raison qui a poussé mon père à poser sa candidature comme maire de la ville. Je ne dis pas magistrat moi, je dis maire. J'ai tendance à donner raison à M. Dolciné, ce vieux copain à moi. J'ai tendance à donner raison à M. Dolciné, ce vieux copain à moi. Donner raison pourquoi? Parce qu'avoir monté comme adversaire, pardon, comme compétiteur, c'est déjà beaucoup. C'est à ce niveau que je veux lui donner raison. Mais en principe, Mondé s'est jeté dans une course. On devrait s'écarter pour y donner donc une chance à la ville du Cap. Le Cap a tort. Le Cap a tort, un grand tort, je le dis bien au moins. Je ne suis pas dans les éléments qui dominent ou qui conduisent la candidature de Mondé. Je ne suis pas dans le retard-major de son gouvernement. Mais je dis cabinet Merville doit s'engager dans cette lutte. Pourquoi je suis venu? Le cap devrait voter Mondé en bloc. Ce devrait être une acclamation. Et si cela a été fait, monsieur Dolciné, ce vieux copain à moi, ne tenterait pas de contester timidement, bien entendu. Voilà. Voilà ce qui est correct. Voilà ce qui est social. Voilà ce qui est humain. Bon, puisque nous devons plaider sur les faits, que tu veux pas long, puisque nous devons plaider sur les faits, je ne vous fatigue pas d'ailleurs, je ne vous fatigue pas d'ailleurs. On sait quand je parle, je ne fatigue pas. Puisque vous plaidez sur les faits, allons dans les faits. C'est malheureux, en vérité c'est malheureux, de constater ce que mon ami, mon jeune frère, le plaideur que je connais, a signé un document qu'il appelle requête qui ne contient aucune date, aucun destinataire. C'est malheureux que je constate que M. Dolciné, ce vieux copain à moi, je le répète, universitaire, médecin, par ce quoi, a signé un document qui ne contient ni date, ni destinataire.